Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo CMM Simulator. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous l'avez vu. Comment vous dire ça? Comme vous l'avez vu, j'avais déjà fait une vidéo sur ce jeu. Donc c'est Next Car Games. Donc on va se faire une petite vidéo de quelques minutes. Voilà, quelques minutes. Pas très longue parce que voilà, faut pas non plus abuser. Donc j'avais pas vu ça avant, qu'on pouvait changer, il me semble, les pneus et le moteur. Donc on va changer, on va mettre un V8 à 500 chevaux ou à 500, je sais pas pourquoi. Donc après on a le choix entre les différents pneus. Donc on va mettre tarmac parce que je vais changer, je vais pas, en gros on va faire un derby. Vite fait, un petit derby. Comme vous allez voir, c'est toujours bien plus fluide qu'avant. Vous pouvez comparer en fait entre les deux dans la playlist vidéo découverte. Entre d'ailleurs, j'ai pas fait, j'ai dû faire une connerie. Merde. Attendez, 30 secondes. Je vais dans les settings. Je sais pas si ça va marcher parce que je sais qu'avant ça marchait pas. Voilà, on va appliquer et on va hop. Donc je joue à la manette Xbox 360 qui est vraiment une très bonne manette à mon avis hein. Et franchement voilà. Donc franchement heureusement que vous ne voyez pas parce que là c'est énorme. Moi chaque fois que je joue à ce jeu franchement c'est une grande partie de plaisir parce que ce jeu franchement je l'adore. Je l'adore, c'est vraiment un bon jeu, très bon jeu, graphiquement il est vraiment très bien fait et tout. Aïe, mon derche. Bon, ok, ça commence bien. Donc c'est vraiment un très bon jeu, moi j'adore ce jeu, il est vraiment très bien quoi, en fait. Là, voilà, quand on a un bon PC comme celui que j'ai maintenant, ça marche vraiment très bien. Et en gros, voilà, maintenant, j'ai vraiment du plaisir à jouer à ce jeu. Alors que c'est vrai que quand, on va dire, je jouais... comment vous dire ça? Avant. Attendez, 30 secondes, parce que c'est un peu trop fort encore. Normalement, j'ai juste à baisser ça. Parce qu'en gros, c'est vrai que pour moi, ça fait un peu beaucoup. Parce que là, j'ai un micro-casque et ça fait un peu beaucoup. Ah, là, c'est mieux quand même. Hein. Je m'entends mieux. Je m'entends mieux et ça va vachement mieux quand même. Je sais pas comment ça marche avec Shadowfight par rapport au son. Shadowplay. Donc, c'est vraiment un très bon truc parce que c'est gratuit. Et moi, j'aime ce qui est gratuit. Ou presque. Hein. Aïe. J'aime plus ou moins ce qui est gratuit. On va dire parce que on va dire que mon PC je l'ai pas eu gratuitement malheureusement. Ça aurait été bien. Mais bon, tant pis. Ah j'ai fait un takedown, je suis content. Donc voilà, je vous présente peut-être pas un gameplay terrible, même si c'est pas trop mal à mon avis. Hein. Après chacun a son avis sur la question. C'est vrai que je tourne un peu en rond, mais c'est le truc du derby, on va dire. Hein. Après si vraiment le match est très court, je ferai aussi une petite course avec l'autre voiture en fait. Parce que celle-là je l'aime bien pour faire ça. Mais pas pour faire donc là comme vous voyez je vais certainement me faire exploser avant la fin. Comment vous dire, je vais certainement faire une course. Mais pas comment vous dire, certainement pas. En gros cette voiture je l'aime bien pour faire des takedowns et tout. Mais pas pour comment dire, pour faire les courses, voilà. Elle a trop de patates, on va dire, pour faire les courses. Mais par contre, pour faire ça, elle va très très bien. Donc voilà. Mais bon, c'est une très bonne voiture. Surtout que là, en plus, elle est over boostée, on va dire. Elle est boostée à fond. Et elle est aussi toute déglinguée. Donc c'est vrai que ça fait un peu... Ça fait un peu plus bizarre, en fait, parce que avant... On va dire que j'avais plus le temps de commenter, je pensais plus à commenter et tout.
Tandis que maintenant, que ça tourne en 60 FPS et tout, il n'y a plus de bugs, il n'y a plus rien. Donc voilà, je suis obligé de changer, de jouer en fait plus précis et de parler en fait de moins me concentrer sur ce que je dis par rapport à ce que je fais, par rapport à avant, on va dire. Voilà, alors qu'avant, je pouvais me concentrer plus que sur ce que je disais parce que le jeu était moins fluide. Oh là, j'ai un pic à 30 FPS, donc là je tourne comme vous voyez, soit vous allez le sentir surtout. La vache différence, si vous avez vu la première vidéo que j'avais faite sur ce jeu, en gros je tourne à peu près entre 60, 80 et 40 FPS, on va dire que ça navigue plus ou moins. Alors, il n'en reste plus qu'un, très bien, très très bien. Comment est... Ah non, c'est moi qui ai fait qu'un. Ok, on est encore 3, je crois, d'après ce que j'ai compris. D'après ce que je comprends, donc comme vous voyez, j'ai quand même fait deux takedowns. Je crois que la première. Bon, bah, je suis mort. La première fois, j'avais pas réussi à faire deux takedowns. J'avais réussi à en faire qu'un. Moi, je suis content quand même. J'ai réussi à. Non, c'est pas ce que je voulais faire. J'avais réussi à faire quand même un. Excusez-moi, je me gratte un peu le nez. J'avais réussi à... j'avais pas réussi, je crois, à faire de takedown dans la vidéo la première, je m'en rappelle plus. Ça date un petit peu, donc je vous présente la Mini Cooper. Je crois que c'est plus ou moins une Mini Cooper. Donc on va faire une route tarmac, ouais. Et on va se mettre donc en route tarmac. Gravel, tarmac sur 24, bien sûr. Hein. Fais pas les choses à moitié. Bon, j'ai toutes les aides, hein. J'ai toutes les assistances et tout. Franchement, ce jeu, voilà, je l'aime encore plus maintenant parce que justement, il est vachement plus fluide. C'est vrai que quand je l'ai testé sur mon nouveau PC, c'était monstrueux. C'est puissance éternelle, mon gars. Voilà, on va dire, voilà, c'était vraiment énorme. J'ai vraiment été très content parce qu'en fait, d'abord, je l'ai pas testé sur le mien. Je l'ai testé sur un autre PC. Un ch'touille moins performant, donc voilà, mais ça change pas grand chose, on va dire, parce que je crois que il y avait une carte graphique un tout petit peu moins puissant, un petit pros un peu moins puissant, mais bon, mon pros, on va dire que bon, il tourne pas fort, c'est pas le pros qui est plus gênant que ça. Là, il charge un peu trop. Là, ah, ok. Donc voilà, on va y aller, on est parti. On est bientôt parti, on est... Voilà, on est parti. C'est bon. On y est, c'est la fin. Donc on va faire cette petite course et après on va se quitter sur cette magnifique course. Sur cette... en fait, en gros, je sais même pas vraiment ce que c'est. Moi, j'appelle ça la Mini Cooper. Mais après, c'est vrai qu'elle a plusieurs ressemblances avec plusieurs voitures. Mais voilà. Après ce jeu, le truc que j'ai... Là, je suis toujours à... Je vous l'ai pas dit... Si, je vous l'ai dit, je crois. Donc, je suis toujours à la manette Xbox 360, si je vous l'ai pas dit, mais je crois que je vous l'ai dit. Voilà, après, on va... Oh, pinaise. Donc, on va... là, je vais essayer de vous procurer un petit gameplay sympathique et tout. Joli, plus ou moins, on va dire. Parce que ça sera jamais magnifique, mais... ce qui soit convenable, on va dire... Parce que c'est vrai que souvent, j'ai plutôt tendance à couper et tout. Et oh, on me rentre dedans. Oh là là, on m'a fait retourner. Donc voilà, hop. Donc le but, je vais vous dire là, c'est d'arriver, on va dire, dans les 10 premiers. 10 premiers. Je suis arrivé, je crois que le meilleur score que j'ai réussi à faire là, c'est les 5 premiers, je crois, ou 4 premiers. Ou je sais plus trop. Ah, par contre, ça nous stoppe net, hein. Donc, oh, critical damage. Oh, merde. Donc, peut-être qu'on va même pas finir la course. Donc, ça ferait un peu chier, mais bon. Bah, si on finit pas la course, on... Non, on va peut-être pas en faire une, parce qu'il faut pas que ce soit trop long non plus. Le truc, c'est que c'est ça depuis mon dernier Odyssey. Même si maintenant, j'ai un PC, je peux un bon PC... je peux faire des vidéos de 1 heure qui sont vachement moins longues parce que franchement, maintenant en temps de montage, je mets à peu près autant de temps que le temps de la vidéo. Donc, on va dire pour une vidéo d'1 quart d'heure, je vais mettre 1 quart d'heure. Voilà.
Alors qu'avant, il me fallait une dizaine d'heures pour monter une vidéo de 3 quarts d'heure sur Adobe Premiere Pro. Parce qu'avant, sur Camtasia, je pouvais tourner, je pouvais monter en 4 heures des vidéos d'une heure. Donc voilà. Mais Adobe Premiere Pro est quand même vachement plus joli. Je pense qu'on n'arrivera pas dans les 10 premiers, on va dire. C'est pas possible. Donc voilà, de toute façon, c'est pas vraiment pour vous montrer du skill, parce que sinon, franchement, je suis pas le premier à faire une vidéo dessus. Moi, je fais pas, je refais une vidéo dessus. C'est différent. C'est différent parce que moi, la vidéo, je l'ai déjà faite, la première. La deuxième, la deuxième, je suis en cours. Mais voilà, on va dire que c'est vraiment pour vous montrer un peu la différence en fait entre mon vieux PC que j'utilise encore de temps en temps. Et mon nouveau PC qui tourne vraiment magnifiquement bien. Donc voilà. Et c'est vrai que le fait que voilà, ça me dérange un peu d'arriver 24e, mais bon, on va faire avec. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, parce que pour l'instant, en gros, ce que je pense faire, c'est refaire tous les jeux que j'ai déjà fait, en gros, plus ou moins, et de les refaire en vidéo 1080p 60 pour ceux qui veulent tourner en 60 fps ou des nouveaux jeux que j'avais pas pu faire sur mon ancien PC parce que c'est trop merdique. Je vais vous faire une autre vidéo test sur un jeu, une série de jeux qui me plaît très bien, qui me plaît beaucoup. Non, mon gars, non, bon, voilà. Qui me plaît bien, en gros, je vais vous dire tout de suite ce que c'est. La série des Need for Speed. Et je vais vous montrer un autre Need for Speed qui est vraiment très joli à mon goût. Qui tourne vachement bien. Bon, il est en 30 fps, il est bridé. Mais il est très bien aussi. C'est un jeu à la base en multijoueur, mais moi je suis en offline, donc voilà. Pour jouer à ce jeu là. Donc moi je vais vous dire, je vais vous laisser là dessus. Voilà. Donc dites-moi, sérieusement, si vous voulez voir certaines vidéos que j'ai refaites en priorité, là que j'ai faites en priorité dans les vidéos test, parce que normalement je devrais plus ou moins toutes les refaire, plus ou moins, je vous dis bien, plus ou moins toutes les refaire sur mon nouveau PC. Donc normalement ça devrait arriver. Il va y avoir aussi des nouvelles vidéos test, il va y avoir pas mal de choses. En gros, je peux vous procurer un contenu assez intense pour l'instant, on va dire. Voilà. En gros, il n'y a rien de spécial. Mais ça devrait arriver très vite. Donc, n'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires ce que vous voudriez voir en priorité. Parce que là, pour l'instant, je peux pas reprendre les séries que j'ai commencées. Parce que voilà, j'ai pas la facecam et tout. Et voilà, j'ai pas envie de continuer une série. Je vous dis ça comme ça. Hein. J'ai pas envie de continuer une série que j'ai commencé en facecam, sans facecam. Voilà, là je joue sans facecam. Parce que c'est des petites vidéos déjà que je faisais déjà avant sans facecam. Donc voilà. Mais après, je vous ferai peut-être des vidéos de Euro Truck hors série, on va dire. Juste pour le fun. Parce que franchement, j'ai déjà essayé Euro Truck sur mon nouveau PC. Ça tourne. Et rond, parce que c'est pas comme avant, ça bug plus, c'est propre, c'est nickel, y a... voilà. Franchement, là je suis aux anges quand je joue à votre truc. Maintenant il me reste plus qu'à mettre mon volant dessus, parce que j'ai aussi changé de volant, je vous l'ai pas dit encore. Mais en gros, j'ai changé de volant, j'ai pris un volant très cher. Cher, on va dire un peu très cher, parce que en gros, c'est le meilleur volant qualité-prix, on va dire. Hein, il vaut 300 euros. Il est très connu sur YouTube, sur partout en fait, parce que c'est le moins cher pour une qualité optimale. Et c'est vrai que j'ai quand même vraiment, il est très très bien ce volant. Après, je trouve quelques défauts, mais bon, voilà, c'est minime. Donc voilà, on va se quitter là dessus je vous dis à la prochaine. Donc ça va arriver très vite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était pas très longue, quoi, un petit quart d'heure. C'est ce que j'essaye de faire, des vidéos très courtes. Et puis comme ça, tout le monde est content. Donc moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à plus. C'était MM Simulator. Ciao.